الحمد لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشر. جرب دين الشيوعية وجرب دين الاشتراكية وجرب العلمانية وجرب قبل ذلك المسيحية وهو حكم الكنيسة كما هو معلوم، وهذه كلها بشيلة في الاقتصاد وفي التشريع وفي تحقيق أمن المجتمع. لذلك لا بديل عن هؤلاء يوازيهم في قوتهم وفي شمولية طرحهم غير الإسلام. إن رأيك يكون يفرمت رأي محمد دادوميغا أو لا ترتي كون فرمما سكي جين دي chez les céréales. Donc on leur dit vraiment, soyez vraiment musulmans. Il ne faut pas dire que je suis musulman et à la même sorte de choses, moi, je n'accepte pas l'islam. L'islam, c'est un comportement. L'islam, c'est un mode de vie. L'islam, surtout, c'est une totalité. Et depuis combien de temps les prêcheurs sont en train de prêcher au Mali comme en Afrique, comme partout dans le monde entier? Les imams des mosquées tous les vendredis, mais rien n'a changé. Les femmes ne portent pas de voile. Il y a des lieux de débauche, il y a des boîtes de nuit, il y a des discothèques, il y a des musiques partout. Alors, depuis que le sabre a commencé, c'est-à-dire depuis que le jihad a commencé, en quelques mois, en quelques semaines, regardez-vous-même, ici, Gao, même les petites filles sont voilées à plus forte raison que les grandes filles. Tu ne verras jamais un lieu de bière, tu ne verras jamais une discothèque, une boîte de nuit. Bien au contraire, voir la bière ou voir la débauche. Et depuis que les lapidations ont commencé, les accusations concernant l'islam, c'est une obligation divine, on coupe la main des voleurs, la main et le pied de travers encore des coupeurs de route. Et depuis qu'on a commencé ces pratiques religieuses, alhamdoulilah, il n'y a plus de vol. انا اذا ما صنفت نفسي فانني ساقول انني مسلم على نهج السلف، وارى ان في ذلك التقسيم خطا، عن التقسيم الذي يقسم الناس إلى سلفية جهادية وسلفية علمية وسلفية سلوكية، لأن منهج السلف لم يكن يعنى بجانب على حساب جانب، وإنما كان يهتم بالجوانب كلها، وهذا يبين لنا شمولية هذا الإسلام. بل قلت قبل قليل إنه حتى الرياضة، حتى ما يتعلق بأمور قد يعتبرها البعض من جوانب اللهو المذمومة على البعض، كل ذلك يعتني به الإسلام. حتى فيما يتعلق بالعاطفة والوجدان نجد الإسلام يتحدث لنا. C'est un site dans lequel j'écris des articles d'actu, des articles sur ce qui se passe, des articles de mode. C'est un magazine lifestyle tout à fait ordinaire, mais qui parle un peu de l'actualité en Tunisie du point de vue de salafiste, quoi. Et genre, j'écris des articles sur les moyens radicaux d'éviter de regarder les filles dans la rue. Je parle aussi de mode, je parle de high-tech, je parle des soucis de tous les jours, de ma vie de salafiste avec mes autres potes salafistes aussi, et ce qu'on fait de nos journées. Enfin, on a tous envie d'avoir le dernier iPhone, le dernier portable. On a tous nos centres d'intérêt, ils sont pareils que beaucoup de jeunes de notre âge. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent par exemple sur les trucs des vêtements, qui me disent: vous n'avez rien d'autre à faire, vous les djihadistes, vous parlez d'aller faire le djihad en Syrie et vous parlez de baskets, de Nike et tout. Moi je dis c'est pas incompatible, pourquoi ça serait incompatible? On peut aller faire du djihad en Syrie en portant des Nike, ça n'empêche pas cela. On estime au moins entre 5000 et 10000 Tunisiens en Syrie. Nous avons décidé de montrer les salafistes tels qu'ils sont, sans interprétation, sans déformer vos propos. Et je pense que, a priori, il n'y a pas grand danger.